Ben alors, chef, mon oreiller t'intrigue? C'est un oreiller, ça? Il a l'air super confortable. Moi, je dirais pas la même chose. T'es peut-être chef de l'exploration, mais t'as encore beaucoup à apprendre. Crois-en mon expérience, je vais y arriver. Si tu veux reposer ta tête dessus, c'est un oreiller. Pour tout te dire, j'ai oublié d'apporter le mien. Alors j'ai fait le tour des environs pour trouver de quoi le remplacer pendant cette expédition et je l'ai trouvé derrière la chambre d'hôte. Est-ce que je pourrais l'emprunter? Hein? Tu veux que je m'en sépare? Je te fais confiance pour beaucoup de choses, mais ça, je suis pas sûr de pouvoir. Ah, et moi je le convainc. Attends, quoi? Tu penses que mon oreiller a un rapport avec un Pokémon légendaire? Sérieux? Pourtant c'était juste un truc que j'ai ramassé par hasard dans le coin. Bon, tu sais quoi? Si tu le veux vraiment, je te le laisse. Tiens, prends-le, j'espère que t'as raison, que ça va vraiment nous aider dans nos enquêtes sur les légendes. Et vous recevez une couronne en bois. D'accord. Une mystérieuse sculpture en bois. On dirait qu'il lui manque un morceau, comme s'il s'agissait d'un fragment de quelque chose. Ça en dit quand même pas mal de choses. Salut à tous, c'est Linko, je vous souhaite la bienvenue dans ce 71e épisode de Pokémon Bouclier. DLC numéro 2, évidemment. Eh bien, dans le dernier épisode, on va se la faire très très vite. On avait capturé les deux légendaires oiseaux légendaires de forme de Galar. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez... Il y avait une statue dans les environs. Il lui manquait quelque chose. Et donc, du coup, c'est une statue de Pokémon. Du coup, voilà. La couronne en bois a l'air faite pour la statue. Vous la posez sur sa tête? Oui. Vous essayez de placer la couronne sur la tête du seigneur des récoltes. Ça alors? Waouh! La couronne en bois, c'est parfaitement emboîté. Couronne? Oh oh! Ah! Bonjour! Reviens ici! On dirait qu'il veut que vous le suiviez. Ouais? Bonjour. Kuro. Ce mystérieux Pokémon vous semble vouloir vous mettre à l'épreuve. Voulez-vous sortir une Pokéball? Oui. Kurorone. D'accord. Ok. Pourquoi pas? Kuro. D'accord. Je ne sais pas, hein, torrent de coups. On va essayer des choses. Est-ce qu'on va lui faire mal? Ok, on lui fait pas mal du tout. Bon, c'est toujours des coups critiques, ça c'est bien. Wouah, psycho! Aïe 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 aïe. Ouais, c'est super efficace, bah oui, forcément. Bon, je vous rappelle qu'on a les trois oiseaux légendaires avec nous. Bah écoutez, on va prendre Sulfura, hein. Plus Regidraco. Eh oui. Alors, est-ce que tu vas faire la même chose, là, hein? Oh, vibra soin, d'accord. Ah ben d'accord, il pouvait me soigner. Eh bien, on va faire fureur ardente. Bah non, ça m'affecte pas. On va lui faire mal, je pense. Ok. Est-ce que je peux le capturer? Ah,
Ok. Bah, on peut pas. Psycho, s'il veut, mais bon. Ça ne sert pas à grand chose. Donc, c'est un épisode que je tourne à la suite. Donc, je vous le précise. 6666. Ça fait peur quand même. Régis Draco monte de niveau aussi. Pourquoi pas? Ouais. C'est un épisode que je tourne à la suite du précédent. C'est assez rare. Ron Crew. Oh, Ron. Oui, bon, bref. Qui es-tu? Rono. Eh non. Own. Est-ce qu'il faut lire à l'envers? Je sais pas, moi. Qu'est-ce que c'est que ce rafu? Tu te bats contre un Pokémon ou quoi? Ah. Mais... mais sa tête est énorme! Mais non! Mais non, tu n'y es pas. Oh! Oh! Mais qu'est-ce que... Ah ouais! Ah bah d'accord, bah il s'est fait posséder. Ma foi, quelle stature! Je vais emprunter ce corps quelques instants si tu me le permets. Ah oui, d'accord, ok. Bah oui, c'est le Pokémon qui parle. Tu démontres une grande perspicacité. Je n'en attendais pas moins de toi. Je vais prendre une voix comme ça, hein. Je me nomme Silveroi, mais les humains m'appellent le Seigneur des Récoltes. Sache que je tiens à exprimer ma gratitude à ton égard. Grâce à toi, ma statue a retrouvé sa splendeur d'antan. Je t'en suis extrêmement reconnaissant. Tu l'ignores peut-être, mais autrefois, j'étais le souverain qui régnait sur ce territoire. Les humains me vénéraient, car grâce à mes pouvoirs, les champs étaient couverts, de fleurs et les récoltes toujours abondantes. Il y a bien longtemps, ils me faisaient des offrandes une fois par an, mais il semblerait qu'ils aient peu à peu oublié mon existence. Or, leur foi était la source de mon pouvoir. Dans de telles conditions, mon fidèle destrier a préféré s'en aller vers d'autres horizons. Mais maintenant que tu as remis ma statue en état, j'ai retrouvé une partie de mes pouvoirs et je suis capable de m'exprimer par le biais d'un intermédiaire. Oh, humain miséricordieux, j'ai une mission à te confier si tu le veux bien. Il s'agit de vérifier si les humains ont effectivement oublié mon existence. J'aimerais que tu demandes aux villageois s'ils se souviennent du seigneur des récoltes. J'ai déjà essayé de les questionner moi-même, mais ils s'enfuyaient à ma vue ou me traitaient comme si je sortais d'un récit fantastique. Alors je compte sur toi, gamin. Humain. Pourquoi j'ai dit gamin? Je sais pas. Ok! Alors, aussitôt, la statue coiffée de la couronne et du seigneur des récoltes, ce dernier est apparu. Il a pris le contrôle du corps de Dylan et a ainsi pu s'exprimer dans le langage des humains. Je dois aller enquêter sur le seigneur des récoltes au village. Ok! Ah bah le pauvre! Il s'est fait oublier, du coup, bah... tout est enneigé, tout ça, quoi. C'est triste. Ah là 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 là. Bon, on va parler à des personnes random, genre lui. Attendez, il n'y avait rien ici? Ok, on s'en fout. Le seigneur des récoltes, s'il existe vraiment, ce serait bien qu'il nous aide à cultiver nos terrains fertiles. Bah ouais, mais bon. Apparemment, il peut rien faire sans son destrier ou quelque chose comme ça. Lui. Si je me souviens bien du seigneur des récoltes, quelle question cela va de soi? C'est essentiellement pour en apprendre plus à son sujet que les touristes viennent ici. Et ils attireraient encore plus de visiteurs s'il existait réellement. Ben, il existe réellement. Ok. Faut pas parler à tout le monde quand même. Ça va être chiant sinon. Le seigneur des récoltes? J'y croyais quand j'étais petit, on disait qu'il prenait possession de ceux qui endommageaient les récoltes. Le Pokémon roi? C'est une vieille légende que ma grand-mère me racontait quand j'étais enfant. Oula, quoi? Souhaites-tu
échanger 8 éclats de dynamaxium contre des graines de carottes. Je sais pas. Merci, je vais enfuir ce dynamaxium dans les champs du village avec ça, nos légumes vont devenir énormes, c'est sûr. Et voilà pour toi, chose promise, chose due. Alors, des graines à planter dans un champ, l'espèce de carotte obtenue varie selon le type de sol. Ne plante pas les graines que je t'ai données dans les champs du village. Ok, on pourrait planter, c'est ça? On peut rien faire. C'est un objet rare qu'on a obtenu? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors attendez, un petit peu. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok, ce sont des objets rares, donc... Ok, j'ai bien fait de faire ça, je pense, du coup. Ok, on a parlé à peu près à tout le monde, là. Tu m'excuseras, mais je suis occupé à rêvasser. Vous avez demandé au villageois s'il se souvenait du seigneur des récoltes. Retournez faire part de vos découvertes à Silverroy. Ok. Tiens, si je parle à Dylan. Le corps de Dylan lévite dans un halo de lumière. Ouais. Humain, je vois que tu as accompli ta mission en interrogeant tous les villageois. Alors, avait-il quelque chose à dire à mon sujet? Aïe. Coup dur pour Silverroy. C'est bien ce que je craignais. À leurs yeux, le seigneur des récoltes n'est que pure fabulation. Les humains... Non, on donc bel et bien oublié le lien qui nous unissait. Mais je ne vais pas me morfondre pour autant. Je suis le seigneur des récoltes, tout de même. Il serait ridicule de ma part de me reposer entièrement sur les humains. Ce n'est en effet pas leur foi qui va m'aider à retrouver mes pouvoirs. Mais si mon fidèle destrier revenait à mes côtés, je pourrais au moins en recouvrer une partie. Alors, ouais. Oui, un Pokémon quadrupède qui me servait autrefois de monture. Ah bah oui, la statue du village me représente d'ailleurs sur son dos. Il y a fort longtemps, il arpentait monts et vallées à mes côtés. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Je l'ignore, nos chemins se sont séparés quand j'ai perdu mes pouvoirs et je ne l'ai pas revu depuis. En outre, même si tu venais à le retrouver, il ne me laisserait sûrement pas le monter car je n'ai plus ma puissance d'antan. Il est possible que des légendes circulent à son sujet au village. Le chef du hameau saura peut-être te renseigner. Si tu pouvais l'interroger et me rapporter ce que tu as appris, je t'en serais reconnaissant. D'accord. Quoi? Il n'y avait pas un Pokémon avec une tête énorme à l'instant? Ah oui. Désolé, fais pas attention à ce que j'ai dit. J'ai dû rêver... Je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens tout bizarre. Je crois que je vais retourner à notre base secrète pour me reposer un peu plus tard. Oui, bah à plus. T'inquiète pas, Dylan, moi je m'occupe de tout. Toi qui voulais mener plein d'expéditions, bah c'est moi qui les mène tout seul en fait. Ah là, ce qu'il faut pas faire. Hein. Bon. En tout cas, c'est un petit peu triste hein, l'histoire du Pokémon. Tu cherches le chef du village, mon petit, il est de sortie. Il est parti inspecter des champs au repos du géant. Si c'est une affaire urgente, tu devras aller le voir directement. Les champs du repos du géant sont au sud-est du hameau gelé. Pour t'y rendre, prends à gauche à la sortie de la... Bah oui, mais je sais en fait. Bah en fait, j'ai déjà tout parcouru, moi. Est-ce que c'est fermé à clé? Ah oui, ok. Tiens, un mot est coincé dans l'encadrement de la porte. Je suis dans les champs du... Ouais, ok. Mais ouais, j'allais dire une chose. L'histoire de Silverroy est assez triste, quand même. C'est le Pokémon... En fait, limite, ce Pokémon est plus humain que les humains qui sont en mode... Il est pas réel. C'est dommage, hein. Alors que bon, dans ce monde de Pokémon, je pense que les humains ont conscience que les Pokémon... Bah, ils existent et ils peuvent avoir des pouvoirs mystérieux. Enfin, je sais pas.
Alors, repos du géant, bah si, si, attendez. Je. Mais non, mais. Oh là là. Je sais pas que ça qu'à faire, moi. Ah là là. Bon. Je vais fuir. Non, je veux pas attaquer, je m'en fous. Je pourrais m'entraîner, c'est vrai, mais j'ai la flemme. Alors. Le repos du géant. Attendez. J'ai pas fait attention. Donc là, plein grand froid et. Bah, est-ce qu'il est ici? Je sais pas moi où il est. Il est rentré dans les ruines? Bah non. Ça n'a aucun sens. Ouais, alors attendez. On va continuer un petit peu. Il est peut-être. Il est quelque part. Hein. Il est quelque part. Où je ne sais pas. Faut pas me le demander. Bah, où il est. Bon, je cherche. Hein. Alors, à mon avis, ça serait pas impossible que ça soit ici. Là, je suis dans la zone du. Comment dans la zone du cimetière ancien. Voilà. C'est où. Alors, ouais. Partez à la recherche du chef du village au repos du géant. Mais voilà, c'est quelque part ici, quoi. Mais bon, je ne trouve pas pour l'instant le chef du village. Ok, un gros lozen. Je regarde bien où il pourrait être. Est-ce que les cimetières s'étendent encore? J'ai pas l'impression. Mais je sais pas où il pourrait être d'autre. Est-ce qu'il pourrait être plus haut? Je ne sais pas. Il y a d'autres cimetières ici. Enfin, c'est pas des cimetières ici, mais. Ah bah il est là, ça y est. Ok, il est là. C'est vrai, je l'ai trouvé. Ces champs ne vont rien nous apporter non plus. Leur terre est trop pauvre pour que des légumes y poussent. Reste-t-il seulement des sols fertiles à couronneige? Tiens, c'est toi? Tu as besoin de quelque chose? Tu vas en savoir plus sur le fidèle destrier du seigneur des récoltes, dis-tu. Ce n'est vraiment pas l'endroit idéal pour discuter tranquillement. Nous devrions plutôt aller en parler chez moi au hameau gelé. Retrouvons-nous là-bas. Tout ça pour ça? Oh, bon, c'est pas grave. Rendez-vous ici. Hop. Bon, on y est déjà. Oh putain, c'était hyper rapide. Bah, let's go, hein. Hop. Tu as remarqué la tête de la statue du seigneur des récoltes? Elle est devenue énorme. Comment? Tu veux dire que c'est à ça qu'elle est censée ressembler? Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'elle est représentée de cette façon sur le pull. À t'entendre, on dirait presque que tu as vu le seigneur des récoltes de tes propres yeux. Pourtant, d'aussi loin que je m'en souvienne, cette statue n'a jamais eu de couronne. Mais j'oubliais, tu voulais en apprendre plus sur le fidèle destrier du seigneur des récoltes. Je me demande bien ce que cela va t'apporter, mais soit. Je te prie de me suivre. Ça a l'air important pour qu'on vienne chez lui. Il y a longtemps, j'ai lu dans un livre que le fidèle destrier raffolait d'un légume de couronneige. Mais impossible de me souvenir duquel. C'est terrible, en ce moment j'oublie tout. Si tu veux en savoir plus, tu peux consulter les livres sur mes étagères. Ok. Mais est-ce que ça serait pas en rapport avec ce que j'ai obtenu là? Les graines carottes. Ça m'étonnerait, hein, mais. Après! C'est peut-être pas impossible parce que c'est des trucs à planter. Ouais. Bon, alors attendez. Il y a Stracy. Bonjour Stracy. Alors, ouh! Ah ouais! Ah ouais, il y a beaucoup de trucs. Le seigneur des récoltes.
Le seigneur des récoltes est un Pokémon grâce auquel les moissons sont toujours abondantes. De sa main droite, il fait pousser des fleurs dans les prairies et de sa main gauche, il fait germer des graines dans les champs. Son imposante couronne brille d'une lueur verte lorsqu'il parcourt nos terres, chevauchant son fidèle destrier. Son passage est la garantie de sols fertiles et de récoltes abondantes. Nous autres humains le considérons comme notre souverain et le révérons. Ok. Le destrier royal, ok. Le Pokémon cheval porte docilement le seigneur et lui confère une partie de ses pouvoirs. Lorsque le seigneur se chevauche son destrier, tous deux peuvent faire pousser une forêt en une nuit. À l'origine, le Pokémon cheval était une brute qui s'attaquait aux récoltes du village. Mais le seigneur, dans sa grande bienveillance, a mis fin à cette calamité en le soumettant à sa volonté. Certains racontent que ses crins seraient blancs comme de la glace, d'autres qu'ils seraient noirs comme les silhouettes spectrales des nuits sans lune. Nul ne sait qui dit la vérité. Ah, d'accord. Donc il aurait peut-être deux formes. Les reines de l'unité. Ces reines canalisent les pouvoirs du seigneur et lui permettent de dompter son destrier. Ce sont nous les humains qui les fabriquons pour le remercier d'avoir fertilisé nos terres. Elles unissent le seigneur à son destrier et nous unissent à lui en retour. Chaque début d'année, sans faute, nous offrons les reines de l'unité au seigneur des récoltes. Nous les tissons en utilisant les crins de son destrier et une fleur brillante. Il est primordial que le secret de leur confection se transmette de génération en génération. Ah, d'accord, donc il nous faudrait une fleur, enfin... Ok, comme ça, si jamais on le retrouve, bah, ça permettrait de... qu'il soit pas enragé, quoi. C'est intéressant. Les légumes de Couronneige. La culture des carottes à Couronneige, oh, présente une étonnante particularité. Si une neige épaisse entoure le champ où l'on sème les graines, on obtient des carottes gelées. Mais si le champ se trouve à proximité d'une tombe, on récolte des carottes sombres. Les Pokémon de type glace sont friands de carottes gelées, mais les Pokémon de type spectre leur préfèrent les carottes sombres. Les légendes racontent que le fidèle destrier du seigneur des récoltes raffole de ses légumes. Cependant, les écrits se contredisent et parlent tantôt d'un destrier blanc qui se nourrit de carottes gelées, tantôt d'un cheval couleur ombre qui se repaît de carottes sombres. D'accord. Les danses folkloriques du hameau gelé. Le froid mordant de Couronneige qui empire d'année en année est bien difficile à supporter. Cependant, il n'est pas bon de rester à ne rien faire trop longtemps. Alors sortez et réchauffez-vous avec une des danses folkloriques du hameau gelé. 1, 2, on lève les mains. Un pas à gauche et un pas à droite et on termine par une révérence. Ah d'accord. On maintient cette position un instant puis on recommence depuis le début. Et voilà, vous savez danser à la mode du hameau gelé. Allez, tout le monde en cercle et c'est parti. Rien de tel que pour préserver la jeunesse du corps. Ah, c'est peut-être une nouvelle danse, je sais pas. Projet pour un nouvel objet souvenir. Le concours idée de souvenirs sponsorisé par l'office de tourisme du hameau gelé a remporté un franc succès. C'est finalement un pull à l'effigie du seigneur des récoltes qui a été sélectionné. Son design basé sur des sources historiques permettra d'économiser les frais de conception. Encore merci à tous ceux qui ont participé. Ok. Ok, très intéressant. Ok, alors... le truc, c'est qu'il faudrait... Ok, il se passe quelque chose, de toute façon. Ah, Silver Roy. Il est là. Ok, s'il veut. Ouais, bah, on va aller le voir, hein. On va aller le voir... Qu'est-ce qu'il a? Ron Cron. Oui, j'ai cru que quelqu'un m'a appelé. C'était toi, chef? Qu'est-ce que... Ah! Humain, tu as appris davantage sur mon fidèle destrier. Oui.
Oh, tu sais donc de quoi raffole mon ancien compagnon. À une époque, je le savais moi aussi. Mais c'était il y a si longtemps que je m'en souviens plus. Oh, bah quel dommage. Dis-moi, humain, quelle est donc cette chose qui va peut-être nous permettre de la pâter? Eh bien, les carottes. Oh, les carottes, dis-tu? Mon fidèle destrier était bien difficile à calmer lorsque nous passions devant certains champs. Des carottes devaient y être plantées. Maintenant que tu le dis, cela ne fait aucun doute. Merci, humain. Avec cette denrée, nous pourrions appâter mon fidèle destrier, où qu'il soit. Peut-être les villageois cultivent-ils encore des carottes de nos jours? Si nous avions ne serait-ce qu'une seule graine, je pourrais la faire germer. Vraiment? Cet étrange sachet contient des graines de carottes? Décidément, les humains ne cesseront jamais de m'émerveiller. Ils sont pleins de ressources. Hélas, les carottes ne pousseront pas dans les champs de ce village. Dans une terre fertile, je pourrais faire germer ces graines, mais cela m'est impossible ici. Tentons de trouver des sols propices à la culture des carottes dans mon royaume glacé. Dans son royaume glacé? Deux champs ont retenu mon attention. Le premier est entouré d'une neige éparse. Ah ouais! Alors que le second côtoie un lieu de sépulture. Bah, on y était ici. On y est allé. La terre fertile de l'un de ces deux champs me permettra de faire pousser des carottes. Rends-toi à l'un de ces deux endroits et plante-y les graines de carottes. Ah, d'accord! Et là, en fait, j'imagine qu'on va choisir la forme du destrier. Hein? C'est bizarre en ce moment, j'arrête pas de m'endormir dès que je sors. Faut croire que c'est fatigant de garder la base secrète. Et chef, te surmène pas trop non plus, ok? Bah écoutez, nous, on va aller au lieu de sépulture. Ah, en plus, c'est noté sur notre carte. Oh, bah d'accord. Lorsque j'ai annoncé à Silverroy que j'avais obtenu des graines de carottes, il m'a indiqué l'emplacement des deux champs où ces légumes pourraient pousser. Je dois maintenant semer ces graines dans un champ entouré d'une neige éparse ou dans un champ proche d'un lieu de sépulture. Ah, c'est noté sur ma carte? Voyons voir. Ah oui, d'accord. Donc c'est soit là ou soit là. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a visité tous ces lieux. Donc bon. Alors... il serait soit de type glace, soit de type spectre. J'ai bien envie d'aller au cimetière ancien. Donc du coup, on va se téléporter. On se retrouve après. Ah, mais attendez. Il y a une cinématique. Alors, mamie, tu peux chanter la chanson du Pokémon Cheval Royal? Oui, bien sûr, mon trésor. Qui se délectait de carottes gelées? La brute d'un blanc immaculé, blanc comme la glace, il croquait les légumes gelés d'une passion vivace. Qui se délectait de carottes sombres? La brute de la couleur de l'ombre, d'un noir spectral, il croquait les légumes sombres d'une passion viscérale. Toi aussi, il faut que tu manges plein de légumes, comme le Pokémon de la chanson. Oui, mamie! Oh, c'est mignon. C'est tout? C'était juste... ok, d'accord. Bon, bah, d'accord. Écoutez, on va aller au lieu de sépulture. Alors, on y est. Et c'est ici... comment je fais pour y rentrer? Ah, oh, non, mais non! Oh là là, j'ai pas que ça qu'à faire! Ah, oh, là 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 là! Bon, attendez. Que je trouve par où j'étais rentré. Je crois que c'était pas par derrière, hein, comme par hasard, j'ai pas de chance. Bon. Ok, on va passer par derrière. On va y aller à pied, hein. Prenons notre temps. Bon, il faut faire tout le tour. Plutôt chiant. Mais voilà, on y est. Hop. Donc, voilà, nous y sommes.
C'est l'un de ces champs dont vous a parlé Silveroy. Voulez-vous planter les graines de carottes? Oui! Oui! Je vois que tu es parvenu jusqu'à... Ah bah d'accord, ok. Jusqu'à l'homme, plus rien à foutre. Hein. Il s'est fait posséder, on ne sait même pas comment. Alors, jusqu'à l'un de ces deux champs que je t'ai indiqué. Sache que de cette terre naîtra une carotte sombre. Ma mémoire me fera peut-être défaut après toutes ces années, mais il me semble que mon destrier qui en raffolait était de Deep Spectre. Permets-moi donc de te poser à nouveau la question. Souhaites-tu vraiment planter des graines ici? Oui, allez. Fort bien, dans ce cas, je te laisse planter des graines. Voilà. Vous aplanissez l'endroit où vous avez planté des graines. Très très bien. Quel talent pour le travail de la terre, je suis impressionné. Bien, à présent, c'est mon tour. Je vais te montrer mes pouvoirs. Ok. Bon, je... Ne crie pas. Vous sentez qu'il se passe quelque chose. Incroyable! Une carotte a poussé! De toutes les graines que nous avons plantées, une seule a germé? C'est malheureux, mes pouvoirs ne sont décidément plus ce qu'ils étaient. Cela dit, je n'aurai bientôt plus de raison de me lamenter. Bien, humain, l'heure est venue pour toi de récolter cette carotte sombre. D'accord. Bah oui. Oh là là, on obtient une carotte sombre. Un légume très apprécié du fidèle destrier du seigneur de récolte, il a été cultivé dans un champ ombragé. Parfait, tu as fait du beau travail. Cette carotte devrait nous permettre d'appâter mon fidèle destrier. Il ne manque plus que les rênes de l'unité pour amplifier mes pouvoirs et je pourrai enfin chevaucher mon cher destrier. Hélas, je doute que les humains m'offrent ces rênes comme ils le faisaient autrefois. Oh! Oh, il est là! Spectre! Il est là! Oh, il est beau! Enfin, il est stylé en tout cas! Mais c'est Spectre Val, mon fidèle destrier! Ces crins sombres et étincelants, cet air insolent et cette fougue indomptable! Il n'a absolument pas changé depuis notre rencontre. Ah, que cela me rend nostalgique! Il a senti l'odeur de la carotte, mais ne sait visiblement pas d'où elle vient. On dirait qu'il galope vers le village, sûrement pour dérober les carottes qui s'y trouvent. Humain, il risque de dévaster le hameau gelé. Nous devons l'en empêcher, hâtons-nous. Ok. Ok, ok. Merde, j'ai pas lu. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on sait ce qui se passe. Mais écoutez, direction le hameau gelé. Il est là. Oh, je pense qu'on va l'affronter. Ouais. Quelque chose me dit qu'on va l'affronter. Écoutez. Val. Merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Spectre! On va l'affronter. Va le capturer. Oh là là là. Ok. Ouais, il est stylé. Alors par contre, j'ai pas forcément de bon Pokémon là. Spectre Val fixe la carotte sombre de Linkos. Niveau 75. Ah oui, ça rigole pas. Est-ce qu'on peut le capturer? Ah non, on peut pas. Ok. Alors on va commencer par quoi? Un point éclair, allez. Châtiment. Oh, il nous fait... Wouah, il nous fait mal. On va tenter de le paralyser. Oh oui, oh parfait. Ah bah putain, trop bien. On va tenter de l'apeurer.
Oh là 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 là, incroyable. Que des bons choix. Et torrent de coups. Parfait. Franchement, parfait. Là. On l'a absolument géré, le spectre vol. Ok. Va. Oh non, il s'enfuit. Va. Spectre. Oh non, il s'enfuit. Terrible. Tu n'as rien. Non, ça va. C'est comme si quelque chose m'avait protégé. T'inquiète pas, si le roi est là. Oh, qu'est-ce que c'est de ça? Vous recevez une touffe de crin sombre. Ok. Des crins de spectre valent le fidèle destrier du seigneur des récoltes. Ils sont soyeux au toucher. Tu as sauvé notre village. Nous ne pourrions jamais assez te remercier. Ce Pokémon était d'une brute à livrer. J'ai dit un Pokémon loge. D'une brutalité. Jamais je n'aurais cru voir ça à Couronneige. Il correspondait parfaitement à la description du fidèle destrier du seigneur des récoltes dans les légendes. Mais c'est sûrement un hasard. Tiens, serait-ce des crins sombres? On raconte qu'en réalisant un tissage avec ses crins et la pétale d'une fleur brillante, que le seigneur des récoltes aurait fait éclore, on obtiendrait les fameuses reines de l'unité qui unissent le seigneur et son destrier. Mes propres ancêtres en fabriquaient, paraît-il. Le secret de leur confection se transmettait de génération en génération autrefois. Cependant, je n'ai jamais vu de fleurs brillantes et de toute façon, plus personne ne confectionne ces reines de nos jours. Bon, assez parlé de ces légendes, nous devons établir une stratégie pour nous tenir prêts si jamais ce Pokémon décide de revenir à attaquer notre village. Encore merci, nous te devons une fière chandelle. Sur ce, si tu veux bien m'excuser. Donc, il faudrait trouver une fleur là. Une fleur brillante. Franchement, c'est assez intéressant le lore de ces deux Pokémon. Vraiment, hein. C'est quand même pas mal. C'est assez intéressant à suivre. Ouais, j'aime pas mal, hein, franchement. Je m'en dis pas trop. Bon, alors. Attendez. Ok. Est-ce que je me suis... On en est à combien de temps? Écoutez, moi j'ai envie de faire encore durer l'épisode. Peut-être qu'en fait, cet épisode sera le dernier épisode. Et peut-être que pour marquer le coup, il faudrait peut-être le faire durer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je vais essayer de le faire à fond. Bon, ouais, bref, j'étais parti aller pour soigner mes Pokémon, voilà. Je ne sais plus ce que j'allais faire parce que j'ai fait une petite coupure là, je vais me faire une mini pause. Attendez. Qu'est-ce qu'il fallait que... Ah oui, bah oui, il fallait qu'on parle à Silveroy, ouais. Alors, je pense qu'il va me renseigner sur la fleur. Je te remercie d'avoir sauvé le village. À vrai dire, j'ai failli à mon devoir. J'aurais dû maîtriser mon fidèle destrier. Mais dans mon état actuel, le simple fait de le mettre en fuite m'a vidé de mes forces. Je ne vais pas pouvoir le dompter sans reine de l'unité. Bah allez! Une petite fleur! Comment? Tu voudrais confectionner des reines de l'unité à partir des crins de mon fidèle destrier et d'une fleur que j'aurais fait éclore? Une fleur, tu dis? Oh, c'était donc ça. Je pensais que les humains avaient cessé de m'offrir des reines de l'unité parce qu'ils ne croyaient plus en moi. Mais je me trompais. C'était tout simplement parce que je ne leur fournissais pas ce dont ils avaient besoin. Tout cela n'était vraisemblablement qu'une tragique
malentendu. Faire éclore une fleur brillante est un exercice épuisant auquel je ne me suis pas prêté depuis des siècles. Mais je sens mes forces me revenir peu à peu depuis tout à l'heure. Je vais donc tâcher de faire éclore cette fleur. Ah bah d'accord. Oula. Éclore, Kudo. Humain, voici pour toi. Merci. Ok. Un pétale offert par le seigneur des récoltes, il en émane une faible lueur. Eh bien, qu'il est difficile de faire éclore une simple fleur. Tu devrais pouvoir fabriquer des reines de l'unité à présent. Pour ce faire, sers-toi de ce pétale. Les descendants de ceux qui confectionnaient ces reines devraient se trouver au village. Je compte sur toi, humain. Ok. On va aller voir les personnes âgées. Genre. Elles ? Les reines de l'unité, tu dis ? Je ne vais pas pouvoir te renseigner. Ah d'accord. Tu veux fabriquer... Ah bah, le chef du village. Bah let's go alors. Tiens, quel honneur de recevoir la visite du dresseur qui a sauvé le village. Tu es revenu consulter mes livres? Comment? Tu veux que je fabrique des rêves... Des reines? De l'unité? Cela me paraît compromis. Du temps de mon arrière-grand-père, cela n'aurait sûrement pas été un problème. Mais aujourd'hui, plus personne ne sait vraiment comment en confectionner. Et puis, de toute façon, tu aurais aussi besoin de la fleur dont je t'ai parlé. Ben, je l'ai. Mais c'est le pétale d'une fleur brillante. Alors ça voudrait dire que le seigneur des récoltes existe vraiment? Non, c'est impossible. Mes ancêtres s'inspiraient des légendes pour fabriquer des reines de l'unité à partir de poils de Pokémon et de pétales de fleurs, mais ce n'était qu'une simple tradition, tombée en désuétude qui plus est. Cela dit, tu nous as bien aidés, je me dois de te rendre l'appareil. Bon, donne-moi ce que tu as. Alors, vous donnez la pétale, ouais, ok. Bien, à présent, tentons de faire comme mon arrière-grand-père. Et faisons revivre les traditions de ce village. Vous entendez le chef du village s'activer. Il semble travailler intensément. Bon, bien sûr, une animation, c'est trop demandé. Mais je ne vais rien dire. Eh bien, c'est complètement raté. Ah merde! J'ai beau être manuel, je suis loin d'être un pro. Or, c'est justement ce dont nous aurions besoin. Ne fais pas cette tête, je suis désolé. J'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. Ah! Ah bah tiens! Monsieur le chef du village, j'ai plus d'eau chaude dans ma chambre. Veuillez m'en excuser, je vais voir ce que je peux faire. Bah tiens. Oh chef, t'es là toi aussi. Il s'est passé quelque chose? Il y a de la tension dans l'air. Bah ouais, mais c'est-à-dire que... Ah d'accord, je vois, ça m'a pas l'air si compliqué. Donne-moi ce que t'as, je vais m'en occuper. Du coup, je dois faire quoi avec ces poils et ce pétale? Eh bien, ces légendes préconisaient ceci. Tresse les crins et le pétale, tisse et tisse les reines royales. Je m'attendais pas à ce que vous chantiez, mais pourquoi pas, hein. Bon, c'est parti mon kiki. Eh ben voilà, tu les as tes reines, ça ira comme ça. Ah bah ben, c'était compliqué, non, mais une animation, hein. Désolé, je troll. Alors, une courroie faite d'un tissu qui scintille à la lumière, les humains en offraient autrefois au seigneur des récoltes en gage de leur gratitude. Ça alors, je m'attendais pas à une telle dextérité de votre part. Ces reines de l'unité sont exactement comme celles des légendes. Ah ah ah, comme quoi ça sert que je couse des vêtements pour ma fille. D'ailleurs, chef, c'est moi qui ai cousu ton uniforme d'exploration. C'est très intéressant, mais revenons à nos moumoutons. Tu as réussi à obtenir des reines de l'unité. C'est vraiment formidable. Quelle émotion. Ok, bah du coup, on va pouvoir
revoir à nouveau notre destrier, là. Enfin, le destrier. Silveroy va me rappeler, je suis sûr. Tu sais quoi, je me suis encore endormi dehors. Quand je me suis réveillé, j'avais super froid, donc je suis rentré pour prendre une douche bien chaude, mais l'eau était glacée. Ça m'a tellement surpris que je me suis précipité. Ah bah d'accord. Humain, as-tu réussi à confectionner tes rênes de l'unité? Oui! Cet humain m'est décidément d'une aide précieuse. Je suis également porteur de bonnes nouvelles, puisque je sais où s'est établi mon fidèle destrier. Spectreval est au Temple Couronne, un endroit où nous passions beaucoup de temps autrefois. Je ne m'y rendais plus car cette évocation du passé m'était pénible. Se pourrait-il que mon fidèle destrier s'y soit installé en souvenir de ce temps passé ensemble? Non, c'est impossible. Le Temple Couronne est juché au sommet d'une montagne située au nord d'ici. Ce sera ta prochaine destination. N'oublie pas d'apporter les rênes de l'unité et ta carotte. Et la carotte. Je m'y rends, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour m'y retrouver. J'ai pris une intonation différente, mais c'était Silvero qui parlait toujours, en fait. Eh ben, ça tombe bien. Alors, l'attaque de celui qui était autrefois le fidèle destrier du seigneur des récoltes a été repoussée. Silvero m'a donné un pétale brillant qui a ensuite été tressé avec les crins du Pokémon cheval pour fabriquer des rênes de l'unité. Je dois à présent rejoindre Silvero au temple couronne où se cache son ancien destrier. C'est très très bien. Mais écoutez, ça tombe bien, parce que j'ai déjà débloqué cet endroit. Il se trouve ici. Voilà. Ça sert, hein, vous savez, de se rendre dans des lieux en avance. Mais bon, moi je rate des trucs, mais comment pouvais-je le savoir aussi? Avec son oreiller, tout part d'un oreiller, quoi. C'est n'importe quoi. Bref. On est parti. Je t'attendais, humain. Te voici au temple couronne qui se trouve être mon ancienne demeure. C'est sûrement pour me narguer que Spectreval s'y est installé. Il sait que j'ai perdu mes pouvoirs et en a profité pour s'approprier mon bien. Je veux que tu aies apporté les rênes de l'unité. Voilà. Voilà longtemps que je ne les avais pas tenues. Ah, cet éclat familier. On dirait bien que la nostalgie s'empare de moi. Sache que Spectreval est un Pokémon très fier. Pour qu'il accepte d'être ma monture, je dois lui prouver que je suis plus puissant que lui. Ses rênes vont lui permettre de mesurer l'étendue de mes pouvoirs. Cela devrait le convaincre de redevenir ma monture. Bien, humain, l'heure est venue d'appâter mon destrier. Dépose la carotte sombre dans le récipient près de sa litière. Ok. Mon destrier sera bientôt là. J'ai tant attendu son nom. Permets-moi toutefois de te rappeler que tu l'as déjà battu une fois. Or, il ne s'approche pas de ce qu'il considère comme une menace. Nous devrions donc nous cacher pour le moment. Ah non! Mais bon, c'est logique! Et Dylan qui dort toujours. Mais qui n'est plus possédé. Oh là là. Et Dylan qui vient de se réveiller. Les rênes de l'unité qui font effet. Joli. Oh, c'est stylé. Hmm.
Mais c'est quoi ce truc? Dylan, il a rien compris, il a rien capté. Sa tête est énorme, il a une monture. Roro. Quoi? Ce truc parle? Pour Rogorono. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est possible de déchiffrer ce qu'il dit? Bon, j'en sais rien, moi, si tu le dis. Mais au fait... Ah bah super. Humain, grâce à vous deux, mon fidèle destrier est revenu à mes côtés. En outre, j'ai recouvré mes pouvoirs d'antan, moi qui pensais que les humains ne croyaient plus en moi. Je me sentais si seul sans leur soutien et sans mon fidèle destrier. C'est à toi que je dois la fin de cette triste période. Je ne pourrai jamais assez te remercier. Quoique, je vais te donner l'opportunité de me capturer. Mais sache que cette tâche ne sera pas aisée. Maintenant que j'ai récupéré mes pouvoirs, si tu y parviens, je reconnaîtrai ta valeur et t'accompagnerai dans ton aventure. Je te laisse effectuer tous les préparatifs dont tu as besoin pour m'affronter. Mais tout d'abord, renvoyons cet humain en lieu sûr. Ce serait cruel de le laisser prendre froid par ce temps glacial. Oui, d'accord. S'il veut. Ok, bah écoutez. On est parti, hein? Voilà, quoi, non? Voulez-vous sortir une Pokéball pour capturer Silver Roy? Allez. Et Silver Roy apparaît. Ok, on est parti. Alors... Oh lolo, à deux talents. Ah oui. Ok. Bah écoutez. Ce qu'on va faire... Il est trop puissant pour moi. Mais nous, ce qu'on va faire... C'est qu'on va le capturer à la Master Ball. Pendant ce temps-là, je vous laisse apprécier un petit peu la musique. Mais nous, on va le tester un petit peu en combat. Donc on va commencer par un petit point éclair. Ah ouais, d'accord. Il a pas l'air de rigoler, franchement. Ah ouais. Sombre ruade, ça fait quoi? L'attaque spéciale augmente. Ah ouais, d'accord. Si je prends sulfure. Ok. Et si je place... ok. Un petit coup. Ah oh, merde. Oh, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas. Oh, je l'ai pas tué. Oh. C'est un miracle. Oh! Ah bah alors, je m'y attendais pas du tout à ça. Bah écoutez, on va quand même essayer de le capturer à l'hyperbole. Déjà. Et de 1. Et de 2. Incroyable. Ça a l'air hyper stylé, hein. Ah mais Sulfuré est le parfait contre. Et de 1. Je vous laisse un peu apprécier la musique. Même si bon. Voilà. On y était presque. Bah écoutez, on va pas perdre plus de temps. On va le capturer à la Master Ball. Je pourrais m'embêter, hein. C'est vrai, je pourrais m'embêter. Dracolaire. Oui, on s'en fout. Allez. Hop. Viens ici. Voilà. J'ai quand même voulu utiliser la Master Ball histoire qu'elle ne serve pas à rien en fait. Voilà, allez. Tout le monde monte de niveau. Tout le monde est content.
Voyons voir. Alors, ah, il est psy et spectre à la fois. C'est stylé. On raconte que grâce à son aptitude à voir le passé et le futur, il a sauvé les créatures d'une forêt de la chute d'une météorite. Psy spectre, stylé quand même. On va consulter son résumé. Oh ouais, son attaque spéciale. Oh. D'accord, et les talents de tension et de Silver Roi et sombre ruade de Spectreval sont cumulés. Ah, c'est trop stylé. Ah ouais, et oh là là. Le lanceur attaque l'ennemi avec une multitude de petits spectres. Ah ouais, et ça, c'est 120 précision de puissance, c'est 100 précision. Incroyable attaque ça, hein. Ah bah on va l'inclure dans l'équipe, évidemment. À la place de qui? Eh ben écoutez, peut-être de Mamalos, qui a fait son temps. Hop là. Comme ça, on a que des Pokémon. Bah légendaires quoi. Ou presque. Humain, ou devrais-je plutôt dire Linkos? Oui. Je n'aurais pas pu espérer avoir un meilleur dresseur. Je compte sur toi pour la suite. Allô, chef, c'est Dylan. J'ai fait un rêve trop bizarre. J'étais dans une sorte de temple avec le Pokémon à la tête énorme. Il arrêtait pas de parler. D'ailleurs, chef, toi aussi t'étais là? Ce rêve était tellement réaliste, c'était chelou. Ça m'a un peu inquiété alors, cette histoire, alors je t'ai appelé. Toi ça va, chef? Il ne t'est rien arrivé, j'espère. Oh, bon, non, tranquille. Ah, pff, tant mieux, alors. Il n'est pas question que tu te mettes en danger pour la mission d'exploration. Dylamax. Bon, en tout cas, fais attention à toi en rentrant à la base secrète. Entre sain et sauf, ça fait aussi partie de l'aventure. Ok. Silver Roi, le seigneur des récoltes, a pu renouer avec son fidèle destrier grâce au règne de l'unité. Il semblerait qu'il avait mal interprété l'attitude des humains à son égard. Pour me remercier de l'avoir aidé à retrouver ses pouvoirs, il a décidé de me suivre dans mes aventures. Eh ben voilà, on va tout lui raconter. Il va pas en revenir, le gars. Il va faire un malaise. Mais écoutez, cet épisode dure plutôt longtemps, mais ça me fait plaisir parce que c'est plutôt stylé ce qu'on y fait. Ouais. Franchement, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Bonjour Dylan. Salut chef, comment se passe l'exploration? T'as fait des découvertes sur une légende? Eh ben oui, Silver Roi. Quoi? En fait, t'as carrément capturé une légendaire Silver Roi? Mais c'est génial, montre-le-moi. Oh, mais sa tête est énorme. C'est donc lui le seigneur des récoltes de ce patelin? J'ai comme une énorme impression de déjà vu. Bref, ça se voit que ce n'est pas n'importe qui à monter un autre Pokémon comme ça. Et puis si on regarde bien, son énorme tête ressemble pas mal à une couronne. Allez, comme il a l'air plutôt royal, on va dire que la mission est accomplie. Eh ben, je crois qu'on a toutes les infos sur le seigneur des récoltes mentionnées dans mes notes. Ça y est, nickel, il n'y a plus qu'à marquer comme cette mission comme terminée. Eh oui! Bah parfait du coup. Ok. C'est tout ce que tu as de nouveau à me raconter pour l'instant? Pas de soucis, je compte sur toi pour continuer à enquêter sur les autres légendes. Bah oui, on a fini en fait. Ah mais dis donc chef, je viens de réaliser un truc. Je crois bien que t'en as terminé avec la mission d'exploration d'Ilamax. Franchement, félicitations, t'assures. N'empêche, j'en reviens pas que tu te sois autant investi dans cette aventure. J'avais noté ces histoires à dormir debout en me disant que ça ferait un bon thème de voyage, mais je m'attendais pas à tant d'enthousiasme. À moins que c'était vraiment des Pokémon légendaires, tout ce que tu m'as montré. Bah, bien sûr. Stop, je t'arrête là. T'as pas de compte à me rendre. Et puis l'expression sur ton visage me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Clairement, cette mission d'exploration, c'était l'éclate pour toi.
J'espère que tu chériras toujours cette expérience. Et t'inquiète, je vais pas gâcher ce moment avec mes questions. Pour une fois, je me les garde. En tout cas, chef, ça me fait super plaisir que t'aies autant apprécié le voyage que j'ai organisé. Tiens, cadeau, c'est pour te remercier. Ah, bah super. Par contre, c'est bizarre, j'ai l'impression d'oublier quelque chose d'important. Ah bah tiens, je l'avais complètement oublié. Papa, t'abuses, on t'entend à 2 km. Ma petite Pivonia. Ouah, c'était super ici. C'est super ici. Ah oui, d'accord. Oh, et c'est toi, Linko? C'est rare qu'on se croise en dehors du grand entre Dynamax. Bah oui, mais... En fait, ouais, je suis censé te voir dans l'entre Dynamax. Mais bon, moi, j'en ai pas fait depuis la première fois, quoi. J'avoue, ça fait plaise. T'en as mis du temps. Ah oui, désolé. Du coup, t'as tenu compagnie à mon père. Merci, c'est trop chou. Moi, j'ai bien profité des expéditions Dynamax. C'était super, mais je crois que j'en ai fait le tour. Du coup, je me disais que je ferais bien une partie du voyage que t'as organisé, papa. Eh ben, grosse ambiance ici. Pourquoi vous dites plus rien? Donne-moi deux petites minutes. Papa va vite trouver une autre légende. T'inquiète pas. Ça sera pour le DLC 3. Après, on partira tous les deux en exploration. Non, en fait, on les reverra dans la 9e génération. Ou peut-être qu'on les reverra lors du remake. Et oui, à Frimapic, pour tenter d'avoir Régigigas. Oh là là, putain. Non mais, écoutez, c'est pas une superbe idée. Bah si. Hein, comment ça t'as trouvé une autre légende? Et arrête de me mettre la pression comme ça. Bref, commençons par le commencement. Tiens, ma petite Pivonia, c'est pour toi. Je t'ai cousu une tenue d'exploration qui brille de mille feux. Enfile-la et bouge pas d'ici, je fais vite. Oh là là, mais elle brille beaucoup trop. C'est quoi le bail? Pourquoi j'ai une tenue bling bling alors que la tienne est normale? Ah ah ah, c'est parce que t'es ma fierté. Comme ça, tout le monde fera attention à toi et à quel point... Et verra à quel point tu es formidable. Mais arrête avec ça, tu me fiches la honte. Bon, ça suffit, j'ai changé d'avis. Tiens, je te laisse ce truc. Quoi? Mais pourquoi? Ah mais d'accord. C'est nous qui prenons ça. Finalement, je préfère retourner capturer du Pokémon Dynamax. Allez, ciao. Mais ma petite Pivonia, c'est sûrement sa façon bien à elle de me montrer qu'elle m'aime. Ah, je m'égare, désolé chef. Merci pour tout, c'était vraiment l'éclate. Je te laisse la base secrète. N'hésite pas à l'utiliser comme tu l'entends. Ah bah ok. Quant à moi, je vais aller passer un peu de temps avec ma fille chérie. Ah, j'arrive, ma petite Pivonia. Ok. Ouais, ça sent la fin. Eh oui. Ok, c'est fini. Et voilà. Oh, il y a quelque chose qui brille. Oh, vous recevez une note de légende, point d'interrogation. Une note mystérieuse que Dylan a égarée, on peut y voir la photo d'un trou de lumière dans le grand antre Dynamax. Oh, cette note étrange semble contenir des informations sur une légende. Oh tiens, je m'y attendais pas à ça. Alors, un énorme trou mystérieux lie deux mondes et un autre monde. Non, lie un monde et un autre monde découvert par le professeur Prof Mo. Mo. De l'autre côté se trouve un être différent des Pokémon que nous connaissons. Ils sont 8 mères. Ils sont des 8 mères. Ok.
Ben écoutez, alors, en fait, moi, je pense que je vais, ouais, ok. Ça, celui-là sera l'avant-dernier épisode. Du coup, je vous l'annonce. Et le dernier épisode, eh ben, ce sera ce qu'on a découvert là, la note de légende de point d'interrogation. Et en fait, il y a aussi un truc organisé par Tarak, bah, qui avait été révélé. C'est le tournoi des stars là, ou un truc comme ça. Et c'est du 2v2. Mais ça, je vous l'annonce tout de suite, je ne le ferai pas. Alors certes, ça permet peut-être d'en savoir un tout petit peu plus sur les personnages, mais à part ça, ça apporte pas grand chose. Et je peux le voir de mon côté et le faire de mon côté. Je pense pas que ça soit vraiment très intéressant en vidéo à faire ça. Par contre, je ferai le truc de l'entre Dynamax avec la note de légende. Du coup, voilà. Je pensais que ça serait le dernier épisode, mais non. C'est le prochain dernier épisode, le 72e. J'espère en tout cas que ce long épisode vous aura plu. J'ai pris vraiment du plaisir à le faire. Ça, c'est rare pour le souligner. Enfin, je dis pas que j'ai pas pris de plaisir pour les autres, mais là, j'ai été impliqué. Ça m'a fait plaisir. On a fait cette quête en un peu plus d'une heure. En tout cas, voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouvera pour le dernier épisode pour voir ce qu'il en est concernant cette note de légende et concernant ce qu'est-ce qui se passe dans cet grand entre Dynamax. Et oui, voilà, allez, je vous retiens pas plus longtemps, c'était Linkos, bye tout le monde.